Santé en Ontario. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de développement durable. Quelles sont les actions à mener dans le petit coin de chez nous, dans notre environnement, pour pouvoir garder notre environnement sain et propre? On va en parler aujourd'hui. On va aussi parler avec Arthur Coinco, notre physiothérapeute, avec qui on va parler des blessures aux genoux. Et forcément, on va faire des exercices. Je suis déjà prête pour vous les faire aujourd'hui. Et puis, je ne serai pas seule pour faire ces exercices-là. Donc, je vous le demande de rester avec nous parce qu'on a quelqu'un qui va nous rejoindre aujourd'hui pour faire tout ce sport-là. On va aussi parler avec quelqu'un de la ville d'Ottawa qui va nous venir nous présenter le plan relatif aux personnes âgées qui a été élaboré par le plan relatif 2019, qui a été élaboré par la ville d'Ottawa pour les personnes âgées, comme je mentionnais. Et parmi ces, je vous le dévoilerai quelque peu, qu'est-ce qu'il y a dedans. Vraiment, c'est des choses en rapport avec le transport pour les personnes âgées, des choses en rapport avec la santé, l'aide financière aussi qu'il est possible d'avoir avec eux là-bas et essayer de discuter forcément. Et puis, il y a des conférences aussi, les conférences dénommées Bien vieillir ensemble. C'est une suite de conférences dont les personnes âgées sont prioritaires pour ces conférences-là, parce que ça traite de plusieurs des sujets dont je vous ai mentionné tantôt, la santé, l'aide financière et plein d'affaires dans le genre. On aura une représentante qui va nous donner plus de détails concernant tout ce plan-là et savoir exactement comment se joindre à eux pour avoir accès à tout ça. Donc, moi, je vais commencer l'émission. Ben, je vous dis ce qu'il y a dans l'émission. Maintenant, je vais commencer par vous donner quelques informations que je trouve pertinentes. Forcément, vous avez dû le voir peut-être sur les réseaux sociaux. Ça pousse un peu partout des petits rappeurs, des petits artistes qui sortent d'un peu partout. Ce sont des personnes talentueuses, certes, mais ils sont souvent mal renseignés sur la carrière artistique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'avoir un producteur et un manager pour faire une carrière artistique. Il faut avoir des renseignements juridiques aussi, parce que ça aussi, ça joue un gros rôle, par exemple, quand on veut vraiment se lancer, ou est-ce qu'on va avoir une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus lointaine de la carrière qu'on veut avoir. Et c'est un événement qui va se passer avec je vais le dire en anglais, c'est l'ALSO. En fait, c'est un regroupement qui s'occupe des artistes de la région et puis il leur permet d'avoir des renseignements juridiques, c'est-à-dire spécifiques à leur carrière. Et c'est un moyen aussi de réseauter pour pouvoir avoir connaissance de ces personnes-là qui vous ont devancé dans le milieu. Donc, en même temps, vous avez des renseignements, en même temps, vous faites du réseautage pour votre carrière artistique. Et si c'est un événement ou c'est quelque chose qui vous intéresse juste par curiosité, je vous invite à visiter le www.arloottawa.ca. C'est à ce site web-là que vous pouvez avoir les tickets et puis même avoir plus de renseignements sur l'événement qui va se passer le 27 avril, donc dans une semaine, le 27 avril 2019 à la nouvelle salle Gilles Desjardins. Et c'est seulement à ce site web-là que vous aurez plus d'informations et que vous aurez la possibilité de vous prendre des tickets. Donc, si c'est un événement qui vous intéresse, je vous invite à y participer. Je vais vous parler du Musée de la Nature parce qu'il y a des affaires qui sont en train de se terminer là. Donc, si vous n'avez pas eu la chance, par exemple, de voir La survie au ralenti, cette exposition-là qui met en exergue des animaux qui, comme l'iguane, qui essaient de survivre surtout dans les saisons, d'une saison à une autre, sur tout ça. Et c'est une exposition j'ai parlé de l'iguane, il y a beaucoup plus d'animaux que ça. J'ai eu à rencontrer l'un un serpent, parce que je ne sais plus exactement si c'était un cobra ou un python, en tout cas. J'ai eu un serpent ici qui fait partie aussi de l'exposition. Et vous avez des experts là-bas qui vous expliquent exactement comment ces animaux-là essaient de survivre au quotidien. Donc ça s'arrête le 28 avril. Donc l'exposition Survie au ralenti prend fin le 28 avril. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, il y a encore une semaine pour pouvoir la voir. Donc, www.nature.ca, c'est le site web à visiter. Une autre exposition qui se termine aussi le 28 avril, c'est Papillons en vol.
Elle revient à chaque année, mais là, elle est en train de se terminer. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir, de toucher à la nature et à la belle couleur que les papillons là, peuvent vous donner. Donc, à ce bel espace-là, vous êtes invité à rejoindre le www.nature.ca pour prendre vos tickets pour participer à Papillons en vol qui se termine le 28 avril. Je vais vous parler d'un autre événement qui se passe au Musée de la Nature, mais qui est beaucoup plus pour les personnes adultes, donc 19 ans et plus. C'est Nature Nocturne. Donc, c'est un événement qui vous permet d'aller au musée, de passer une nuit au musée avec un DJ, avec de la boisson, avec de beaux bars, comme on a dit. Puis il y aura aussi une séance karaoké. Donc, c'est un moment de changer d'air et de découvrir le musée d'une autre manière. Donc, si vous êtes intéressé, le thème pour ce 26 avril, c'est le Grand Bleu. Et puis, vous êtes invité à vous costumer, si vous voulez, pour y aller là. Donc, si vous voulez plus de renseignements concernant Nature Nocturne, je vous invite à visiter le www.nature.ca pour avoir plus de renseignements et puis pour participer à cet événement-là. Je vous ai dit en début d'émission qu'on allait parler de développement durable, mais on ne va pas parler de développement durable en gros. On va parler de développement durable au sein des écoles du CECE. Et j'ai avec moi une surintendante qui va venir nous parler des actions concrètes qu'il mène là-bas, mais elle n'est pas venue seule. Elle est venue aussi avec un ambassadeur des changements climatiques qui va nous donner son point de vue sur la question. Restez avec moi, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Plus orangé. Bon. Le peintre des quatre saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihou, je suis un bénévole pour TV Rogers. Et TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est un petit dégât qui m'a donné mes prothèses. Merci! À la prochaine émission, je rencontre Patrick Laguerre, le rappeur gospel. Il nous parle de sa campagne sur les médias sociaux afin d'avoir des meilleurs soins de santé en Ontario. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Moi, j'ai un ambassadeur, mes honneurs, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Et puis, j'ai vous que vous avez l'habitude de venir ici pour parler de toutes les actions concrètes que vous menez. Moi, je veux juste demander pourquoi c'est si important pour vous le développement durable là-bas. Merci de nous recevoir ce matin. En fait, on est très heureux de venir discuter de développement durable, particulièrement aujourd'hui, puisque le 22 avril prochain, partout, on célèbre le jour de la Terre. Ouais. Donc, pour les élèves et les écoles du CECE, donc des écoles catholique du Centre-Est, particulièrement, ce sera le 24 avril, étant donné le congé pascal. Okay, ouais. Il y aura des activités un peu partout au sein des écoles pour encourager, pour aussi prendre conscience de l'importance des petits gestes qu'on fait. Mm-hmm. Au niveau du conseil scolaire, ce qui est intéressant cette année, on en a déjà parlé dans une autre entrevue, c'est la mise en place ou la mise en œuvre d'une directive administrative, donc d'une politique qui va encadrer, dans le fond, les gestes du personnel, les gestes des élèves, le fonctionnement au quotidien du conseil scolaire. Donc, une directive administrative qui porte sur l'éco-citoyenneté et le développement durable. Mmh. Puis là-dedans, on trouve toutes sortes de normes, des normes variées là, qui vont de l'utilisation de la vaisselle à la conservation énergétique par un bon usage des fenêtres et des portes. OK. L'utilisation... Je pense qu'il y en a même 12, hein, les oui, normes. Oui, il y en a 12. Le transport en commun, le recyclage, l'élimination des bouteilles de plastique,
plastique une pensée particulière quand on passe des commandes d'articles promotionnels. Okay. Donc, se questionner, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, une foule de normes qu'on vise à mettre en place pour permettre l'uniformité dans le système, mais surtout pour rendre honneur à la Terre. Absolument, parce que, bon, c'est notre responsabilité comme adultes, mais aussi la responsabilité partagée avec les jeunes d'y voir. Au sein du Conseil aussi, depuis plusieurs années, mm-hmm. il y a des initiatives qui se déroulent en lien avec la certification des écoles. Mm-hmm. Donc, présentement, okay. on a 50 écoles élémentaires et secondaires qui sont certifiées éco-écoles. Donc, c'est une reconnaissance provinciale au niveau de l'Ontario qui permet aux écoles de se démarquer. Donc, ces écoles-là élaborent des plans de cours, des leçons, portent une attention particulière aussi au verdissement, donc à l'environnement extérieur, okay. À l'école. Vraiment amènent les jeunes à monter des clubs écolos. On amène les adultes aussi à inculquer un peu l'intendance environnementale avec les jeunes. Donc, il y a une foule de critères sur lesquels les écoles sont évaluées. Ouais. Ça change un peu le mode de vie dans une école, puis ça permet vraiment de vivre comme un éco-citoyen responsable. Puis ce que vous venez de dire, là, c'est tellement vrai. On va dire que ce n'est pas vraiment du blablatage, parce qu'à notre ancienne entrevue, vous étiez venue avec un professeur même, je pense, en oui. écosystème. Oui, Mme Coupal. Mm-hmm. Oui, qui travaille aussi avec les jeunes et oui. tout ça. Mm-hmm. Je pense que tu la connais, oui. Parce oui. Que... Et puis tu travailles avec Mme Coupal. Oui, en effet. Donc, Mme Coupal, c'est elle, justement, qui organise tout ce qui a rapport au voyage en Arctique mm-hmm. que j'ai eu la chance de faire avec une autre ambassadrice qui s'appelle Juliane, qui était venue à l'émission dans le passé. Et puis, elle nous a essentiellement supportés pour monter nos présentations puis pour qu'on aille essentiellement présenter ce voyage-là dans les autres écoles pour transmettre un peu ce qu'on avait appris, le message, ce qu'on retient de cette expérience-là. Puis toi, qu'est-ce que ça te fait d'être dans une école qui se préoccupe tant de développement durable? Ce que ça me fait, oui. Bien, c'est sûr que c'est très encourageant. Donc, avec tout ce que le Conseil est en train de faire, ça donne un certain espoir par rapport à l'environnement, ça donne un engagement, mais aussi ça me dit, OK, on a cette conscience-là, maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on traite les changements climatiques comme l'enjeu d'importance qu'ils sont. Donc, c'est sûr que ça me dit qu'on est capable d'aller encore plus loin que ça et j'ai confiance que le CSCCA va continuer dans cette trajectoire-là. il a mentionné tantôt le voyage en Arctique. Puis moi, je veux juste te demander comment tu t'es sentie, parce que tu es allée sur les lieux, mm-hmm. tu as vu des affaires, tu as eu des explications mm-hmm. des experts. Oui. Comment ça a été ce voyage? Donc, premièrement, c'était l'expérience d'une vie, essentiellement. Ce que je retiens le plus de ce voyage-là, c'est essentiellement les explications que mm-hmm. j'ai eues, ce que j'ai vu. Mais ce que j'ai vu, c'était vraiment simplement la beauté de la planète Terre, à quel point la planète Terre est unique. Parce que l'Arctique, genre, c'est un nouveau monde. Tu crois même pas que c'est sur la planète Terre. T'es comme « wow! » Tu dis « est-ce que je suis encore ici en ce moment? » Donc, en voyant, genre, toutes les plantes, tous les écosystèmes qu'il y a là-bas, les gens qui vivent là, les paysages, tu te dis « c'est ça, le miracle de la planète Terre. C'est ça. » Le cadeau que Dieu nous a légué essentiellement. Et maintenant, c'est ça qu'on doit protéger. On veut que les générations futures soient encore là pour profiter de ce cadeau-là de Dieu, de profiter du miracle. Donc, c'est une des choses que je retiens le plus. Je pense que le travail a déjà bien commencé parce que on parle à un ambassadeur et puis du coup, il m'a déjà convaincu de jeter tous les plastiques que j'ai chez moi. Bien, en fait, c'est ça, c'est la beauté dans le discours de Louis-Philippe, c'est la grandeur aussi, de la richesse qu'on peut retirer d'un voyage comme ça. C'est ça. Puis ouais. Le conseil scolaire cherche aussi à permettre à deux autres élèves oui. de faire un voyage aussi prochainement à l'été. Okay. Mais c'est aussi la beauté dans les petits gestes de tous les jours. Donc, mm-hmm. Dans le fond, c'est de trouver un équilibre entre ce qu'un système peut réaliser ouais. puis l'engagement des jeunes. Par exemple, mm-hmm. à l'école Sainte-Anne, qui est une école tout près d'ici, l'école a décidé d'interdire les petites boîtes de jus. Donc, ce que ça a comme impact, c'est que ben il y a beaucoup moins de déchets. De déchets, oui, parce que ces petites boîtes-là, bon, on en boit une, deux, trois par jour. Et il y a moins de sucre aussi dans l'alimentation des jeunes.
On a aussi, bon, depuis les trois dernières années, une trentaine d'écoles qui ont planté des arbres, un arbre ou des arbres, sur le terrain de l'école. Donc, ça verdit l'environnement, ça permet des zones ombragées pour jouer. Ça fait, c'est fait avec les étudiants. Absolument. Ça fait qu'ils s'impliquent, en absolument. Fait. Donc, c'est des exemples de projets qu'on peut faire. Par exemple, à l'école Alain Fortin, il y a un système souterrain pour la filtration des eaux. Oh. Dans les écoles, on a, dans 18 des écoles, on a des panneaux solaires qui sont installés. On a 2272 panneaux solaires, je crois, qui génèrent de l'électricité qu'on on redirige vers les fournisseurs d'électricité. Ouais. Il y a toutes sortes d'initiatives. L'an prochain, on veut beaucoup miser aussi sur le transport en, collectif, le transport en vélo, wow, se déplacer truc, en groupe. Donc, amener les gens à être conscients vraiment de, dans la réalité de tous les jours, de ce qu'on peut faire qui a un impact. Et qui peut changer les choses. Il y en a tout plein. On a dans la plupart des écoles des clubs écolos. Je pense qu'on aura une photo tout à l'heure. Donc, les jeunes montent des clubs, décident entre eux quels sont les projets. Donc, autant pour les jeunes secondaires que pour les plus petits. Je vois des plus petits. Oui, là, c'est ça. Donc, les jeunes vraiment s'engagent dans ce sens-là avec, en partenariat avec le concierge à l'école, la direction, les enseignants. C'est vraiment un travail de collaboration. Donc, c'est vraiment toute beauté. Dans d'autres écoles, en fait, j'ai le nombre, je crois, dans quelques écoles, on a des jardins potagers. Donc, je pense que c'est environ la moitié des écoles. Puis, il y a peut-être un tiers de ce qu'on récolte dans nos jardins potagers qui est remis à la communauté, aux parents. Donc, les enfants sont vraiment ils sont dedans, impliqués en fait, dans ils le voient projet. Le processus. Et puis, ça fait toujours plaisir, imaginons, de sortir quelque chose du potager, de le rapporter à la maison. On est super fiers, là. Oui. Et puis, moi, je vais vous garder après la pause parce que si on a un ambassadeur ici, c'est forcément parce qu'il est venu donner un message poignant et on va le faire juste après la pause. Restez avec moi, on continuera de parler des messages clés ou si vous voulez de conscientisation au développement durable. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Toujours, on parle de développement durable ici en studio. Puis l'ambassadeur a des messages pour nous, déjà pour les plus jeunes. C'est ça. Donc, pour les jeunes, je trouve que c'est vraiment important que les jeunes soient engagés par rapport au climat. Parce que c'est sûr que les adultes, ils ont beaucoup de connaissances. C'est très, très important, leur assistance par rapport à ça. Mais à la fin, c'est ce qu'on décide aujourd'hui, c'est ça qui va affecter nous, les générations de demain. Très bien dit. Merci. Là. Et puis, essentiellement, c'est que on va essentiellement vivre avec le monde qu'on va nous léguer. Donc, c'est sûr qu'on va devoir faire face à comme de la météo extrême et puis des vagues de chaleur et puis tous ces impacts-là des crises de réfugiés. C'est sûr que c'est un portrait assez nébuleux. Et puis,
c'est quelque chose... On essaie justement d'éviter en ce moment ces impacts-là. Il y a encore de l'espoir. On essaie de rester en dessous de 1,5 degré Celsius de réchauffement. En ce moment, c'est l'objectif des Nations Unies. Fait que c'est... Justement, c'est très important qu'on arrive à faire ça parce que c'est comme ça qu'on va éviter justement ces impacts-là plus amplifiés. Parce qu'au fur et à mesure qu'on monte au niveau des degrés, ces impacts-là deviennent de plus en plus récurrents et plus forts. C'est ça. Et puis, toi, quand on a parlé de la jeunesse, forcément, tu parles à tes amis à l'école, oui. dans les écoles, et puis je suis sûre que vous... Ben, je ne suis pas sûre, tu me l'as dit, vous faites des conférences aussi. Hein? Puis, c'est basé sur quoi, ces conférences, en fait? Donc, les conférences... je fais des conférences dans les écoles. À peu près toutes les écoles qu'on visait. Bien, pas toutes les écoles. Il y a beaucoup d'écoles dans CSSC. C'est ça, c'est ce que j'ai fait la tournée. Mais il y a dans plusieurs écoles de la région ici, dans l'est de l'Ontario essentiellement. Donc, je parle surtout de mon voyage. C'est basé sur le voyage. C'est ça, l'expérience vraie que tu as vécue. L'expérience que j'ai vécue, mais c'est aussi basé sur l'urgence d'agir par rapport au changement climatique. C'est le message que j'ai à transmettre. Puis, ce que j'essaie de transmettre aux élèves, c'est que les changements climatiques, en ce moment, c'est un enjeu politique très important. C'est quelque chose auquel on fait très attention, mais c'est encore un problème. Il faut vraiment qu'on traite ça comme une crise, essentiellement. Parce que c'est quand même... Il faut juste prendre à la légère, en fait, c'est ça. Hein? En fait, les conférences sont utiles aux élèves, mais elles sont aussi utiles au personnel. Donc, tout récemment, Juliane et Louis-Philippe ont présenté à l'ensemble des directions d'école, des directions de services du CECCE. On avait même aussi comme invité spécial M. Étienne Leblanc, un journaliste de Radio-Canada, qui a animé une partie ou qui a été panéliste à l'émission Minuit moins une pour la planète. Donc, on a essayé vraiment d'y aller à tous les paliers du système pour conscientiser. Puis, c'est vraiment la voix des élèves ici qui nous a inspirés puis qui a permis vraiment de partager plein de connaissances avec le personnel. Puis quand vous préparez vos conférences, parce que c'est vraiment ce que vous avez vécu, que vous transmettez avec des messages clés, est-ce que vous êtes aidé par des professeurs, des gens qui vous appuient? Donc, il y a un processus qui est allé avec ça. Depuis qu'on est revenu du voyage en septembre, il y a Mme Roxane Coupal qui est une enseignante en affectation spéciale au CECCE qui nous a appuyés tout au long de la construction de cette présentation. Mais maintenant, la présentation, elle est faite essentiellement. On a nos messages. Donc là, on continue de faire essentiellement cette tournée-là. Puis on est rendu plus autonome justement grâce à ce que Mme Coupal vous a donné. Son encadrement essentiellement. Elle nous a donner une poussée, puis là, on peut continuer de manière plus autonome. Puis, suite au passage de Louis-Philippe ou de Juliane dans les écoles, il y a aussi du matériel pédagogique qu'on encourage les écoles à exploiter. Il y a deux films, le film Océan et le film Demain. Demain pour les plus vieux, Océan pour les plus jeunes, qui suscite plein de questions par rapport à des actions, qui suscite vraiment une pensée critique des jeunes envers... envers les tendances qu'on voit autour de nous, puis comment on peut contribuer à réduire l'empreinte carbone, puis lutter contre ces changements-là. Parce que si on parle de changer, ça serait un long processus. C'est mieux de réduire d'abord pour commencer et puis essayer de voir si quelques affaires peuvent être éradiquées. Qu'est-ce que toi, tu fais concrètement déjà quand tu es à l'école? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Donc, quand je suis à l'école, donc c'est sûr que... Là, il y a toutes sortes de gestes individuels que je fais. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que comme prendre l'autobus, être conscient de justement l'impact du transport, comme on a mentionné plus tôt, je suis ce qu'on appelle un flexitarien. Donc, je mange rarement de la viande. C'est rendu un produit quasiment... C'est comme du homard, quasiment. T'en manges pas très souvent. Mais l'action la plus importante que je trouve qu'on pose à l'école, c'est au niveau plus politique. Donc, récemment, il y a eu... Ça, c'était pas juste à Garneau. Moi, je m'occupais du chapitre, essentiellement, Garneau. Mais ça a eu lieu dans d'autres écoles. Ça s'appelait « Le cri d'une génération ». C'est une manifestation pour la taxe sur le carbone qui a eu lieu récemment, le 28 mars. Donc, c'était justement ça pour envoyer un message clair au gouvernement que la jeunesse appuie la taxe sur le carbone. On demande que la taxe sur le carbone soit mise sur pied, vu qu'il y a plusieurs économistes qui disent que justement c'est la manière la plus efficace de réduire nos émissions de GES, gaz à effet de serre, à l'échelle qui est nécessaire. Donc, on voulait envoyer ce message-là parce qu'en ce moment, là, c'est une des
une des choses qui se passe dans l'actualité. Oui. Là, on a des poursuites qui se passent à la justice contre le gouvernement fédéral pour la taxe sur le carbone. Il y a des provinces qui débattent ça, donc c'est sûr qu'on a tous l'objectif de préserver cette planète-là. Mm-hmm. Et puis, il y a différentes perspectives, mais la taxe sur le carbone, c'est quelque chose qui est très, très efficace, justement, pour donc, réduire les émissions. Donc, il y a eu le cri de la génération que tu as appelé. Premièrement, c'était une bonne idée. C'était un mouvement, oui. C'était un mouvement qui a été initié par d'autres élèves. Okay. C'est pas moi qui s'occupais entièrement de ça. J'ai juste tenu la partie à Garneau. Mm-hmm. Mais c'est eux autres qui ont conçu le projet. Donc, le cri d'une génération, parce que c'est le cri de notre génération, de la génération qui va encore être là dans le futur. Puis, dernièrement aussi, le CSSCA a tenu le sommet des élèves. Mm-hmm. Et parmi les enjeux qui ont été retenus, des enjeux qui provenaient, dans le fond, d'une consultation auprès des élèves et du personnel, bien, il y avait une table qui a discuté vraiment particulièrement de certains enjeux au niveau de l'environnement. Du développement durable. Donc, j'étais au sommet, on a discuté de tout ça. Et puis, maintenant qu'on a ramené ça, Garneau, c'est une école qui est une éco-école. C'est une éco-école bronze, en fait, je crois. Donc, c'est sûr que Garneau, c'est une école qui date de 1972. Donc, c'est sûr qu'on fait des efforts, mais il y a encore du travail à faire parce qu'elle n'est pas nécessairement équipée avec tous les aspects modernes, justement. Quand on construit des nouvelles écoles, on peut inclure genre des roues thermiques et d'autres infrastructures, des structures qui aident justement comme des systèmes de filtration des eaux. Donc, à Garneau, justement, c'est un des enjeux qui est ressorti le plus, qu'on recommandait à la direction. Là, on travaille beaucoup sur le recyclage à l'école. Justement, il nous reste juste une minute et j'ai deux questions. On va essayer d'être un peu précis. La première, tu as parlé du fait que tu réduis ta consommation de viande, mais tu vis avec tes parents. Est-ce que ton mouvement aussi les a pris comme si ça les a pris? Certainement. Donc, mes parents, justement, eux autres aussi, essayent beaucoup de réduire leur consommation de viande. On mange beaucoup plus de tofu. Donc, tu conscientises aussi à la maison, hein? Mais c'est ça. Mais ils commencent à... Des fois, ils disent comme, « Laissez-moi la paix, là! » c'est que je suis là, je suis comme... C'est que je pointe des choses, donc... C'est un ambassadeur à l'école, mais à la maison aussi, hein? Après, je me dis, donc, c'est sûr que j'essaie de transmettre cette conscience-là, mais à la maison. Super. Alors, on va regarder l'une des caméras et juste envoyer un message à ces jeunes qui sont comme toi, qui te regardent et qui, on va dire, qui s'en foutent un peu, là. Juste quelques trois petits messages. OK. Donc, justement, ce qui se passe avec les changements climatiques, en ce moment, on pense qu'il va falloir multiplier par 3 l'engagement des gouvernements pour atteindre l'accord de Paris de rester en dessous de 2 degrés. Et puis, il faut multiplier par 5 l'engagement des gouvernements pour rester en dessous de 1,5 degrés. Donc, il y a beaucoup de travail qui est à faire. Donc, il faut qu'on mette ça, les changements climatiques, comme étant un enjeu de premier plan. Si on veut que notre génération, on ait encore un monde dans lequel on puisse vivre de manière plus aisée, de manière plus... De manière le fun. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, je vous invite à vous à visiter le site web du CSCE pour avoir plus de renseignements sur toutes les actions. Après la pause, je vais laisser ma place à Romain, notre journaliste de la Cité, qui va s'entretenir avec Arthur Cuenco au sujet des blessures au genou. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste toi.
Bon retour à Entre nous, excusez-moi sur les ondes de TV Rogers. Je suis accompagné aujourd'hui de Arthur Quinco, physiothérapeute. Oui, on va parler des blessures au genou, c'est ça? Oui, oui, ouais, c'est vrai. Exactement, le genou, c'est une articulation très importante pour le corps parce que ça aide avec la stabilité. Ouais, tout à fait. Et ensuite, le mouvement aussi. Mm-hmm. Et la structure du genou, c'est faite avec des os, des ligaments, les ménisques, cartilages, tout ça. Et toutes ces structures doivent travailler ensemble pour le bien du corps. Pertenir, le mouvement, oui, exact, exact. Mais dépendant de notre pesanteur ou notre niveau d'activité, ça change. Oui, oui, et on peut développer des blessures, soit des blessures comme au sport, musculaires, tendineux, ou des blessures juste avec des dégénérescences. D'accord. Ostéoarthrite, ostéoporose, ça. Mais ça arrive plus tard, vers un âge plus avancé, non? Avec plus tard, oui. Ouais. Mais aussi avec un manque d'activité, sportif, manque de sport. Okay, exact. Ça peut... Alors, comme l'autre ambassadeur a dit, d'investir dans le climat, nous, on doit investir dans notre corps. C'est vrai? C'est bien, aussi, il faut. Oui, oui. Et ce que je vois dans la clinique, c'est... ce sont des blessures au sport, des personnes qui ont des déchirures dans ces ligaments, qui ont eu des chirurgies, qui doivent faire leur réadaptation, leur physiothérapie. Aussi, des personnes qui sont qui deviennent plus âgées, qui ne sont pas très actifs. Et à ce temps-là, ils doivent faire des exercices dans renforcement, des étirements. Des exercices un peu tous les jours pour... Tous les jours. Parce qu'on voit que notre société n'est pas très active. OK, oui. On reste toujours devant l'ordinateur, à la maison. Les enfants ne savent pas c'est quoi l'exercice. Alors, il y a une cotation, le mouvement, c'est le nouveau médicament. C'est pas juste de prendre des médicaments. Faire l'exercice quotidien, faire des exercices. C'est déjà un bon moment. C'est gratuit, le mouvement c'est toujours avec toi, c'est bon pour l'esprit. Ouais. Alors d'avoir plus de mouvements, de faire plus de mouvements, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. Et c'est ça que j'enseigne aux mes clients, que le problème que tu as, les blessures, les symptômes comme l'inflammation, le manque de mobilité, le manque de force, on va régler tout ça dans la clinique, mais c'est toi qui l'ambassadeur, c'est toi qui dois faire tes devoirs, les mouvements. Et juste de vivre une vie qui est pleine d'exercices, de la bonne santé, de manger bien, et de réaliser qu'avec le temps, on peut développer des problèmes. Mais en fait, c'est sur son bien-être, principalement. C'est bien-être. C'est pour viser... Je peux psychologue. Ouais, le mise en forme pour le plus longtemps, en fait. C'est vrai, oui. Ouais. Mais aussi, les blessures aux genoux ne sont pas les mêmes. Les personnes ne sont pas les mêmes aussi. Ouais, alors, les prescriptions d'exercices doivent être spécifiques avec chaque personne. D'accord. Oui, parce qu'on est tous différents. Tout le monde est différent, parfait. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est... C'est quoi, justement, toutes ces choses? Alors, comme j'ai monté... Tu vois, on peut avoir des blessures au sport, comme au baseball, football, même la natation. En fait, ce n'est pas les mêmes blessures en fonction du sport, par exemple? Non, c'est parce que si c'est un sport combatif, c'est différent. Parce que si quelqu'un me frappe, le choc n'est pas le même. Choc n'est pas le même, et ça peut être une déchirure d'un ligament. Mais si avec le temps, si je fais le même sorte de technique avec la natation, par exemple, la torsion va éloigner et étirer les ligaments, les autres structures. D'accord. Et la personne peut présenter avec les symptômes qui sont un peu similaires, mais comment on fait le traitement, c'est différent. Et l'impact du sport, en fait, est-ce que c'est bon pour la santé? J'imagine qu'il ne faut pas trop en faire non plus. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Mais c'est aussi ça dépend si l'athlète est un athlète qui est compétitif. Oui, un professionnel, par exemple. Oui, parce que nous comme d'avoir des blessures. Comme physio, nous travaillons avec les entraîneurs. Ouais. Parce que si, par exemple, l'entraîneur a dit que ce jeune qui a 12 ans doit pratiquer comme 5
5 oui, jours oui, par, oui. par semaine, c'est un peu trop. C'est quand même beaucoup. Ouais. Ça va être pas bon pour leur corps. Surtout, ouais, surtout pour la croissance et tout, c'est pas idéal. Exact. Et puis, ils risquent d'avoir plus facilement des problèmes, par exemple, aux genoux. Ça peut ouais. limite être handicapant. Oui. Dans mon cas, je suis entraîneur de tennis aussi. OK. Et je connais du monde qui leur encourage leurs jeunes de pratiquer le service, comme... Okay. Voilà, pour ouais. 30 minutes, 45 minutes, juste le service. Imagine ce que ça va c'est beaucoup. Faire pour moi, moi qui fais du tennis, c'est quand même c'est beaucoup. Trop. Ouais, c'est trop. Trop. Hein? Ouais. Mais de faire les autres sortes de traitements, de pour sport. Pour varier aussi. Exact. L'entraînement, ça doit être différent. Alors, moi, je travaille avec les entraîneurs, je travaille avec les athlètes. Mais aussi, je travaille avec les personnes à tous les jours. OK. Et tout âge, okay. Qui ont des maux, des enflures. Et ça change, en fait, ça change en fonction, vous voyez tout à propos des genoux? Oui, des genoux, des autres parties, mais aujourd'hui, les genoux, on parle de ça, mm-hmm. et des personnes peuvent développer comme des dégénérescences. OK. Ouais. Et ce que ça veut dire, que si on voit, ça c'est le genou comme ouais, ça. D'accord. Ouais. Ça, j'imagine, c'est les... Ça, c'est oui, les tendons. Les tendons, oui. Ouais, ça, c'est la rotule. Mais ça, c'est le ménisque ou cartilage. OK. Et avec le temps, ça devient plus mince. Il y a plus de dégénérescence. Et après le temps, ça va être comme plus os sur os. Aïe. Et cette frottement... J'imagine que c'est pas bon, là. Oui, c'est pas bon. C'est chaleureux. C'est pas bon. Justement, il faut que les personnes arrivent avant... que ça se produise. Exact. Si quelqu'un vient à la clinique, je le vois et je dis, OK, ce qui est nécessaire pour toi, après de faire l'évaluation, c'est de renforcer certains muscles ou d'étirer certains muscles. Ça, c'est très important parce que ça va investir dans ta santé. Et puis, j'imagine que si tu fais des exercices quotidiens, ça évite que justement les deux os se frottent et... C'est vrai, la prévention c'est très important. Okay. Et c'est pas juste pour ceux qui sont plus âgés, mais c'est plus pour les jeunes aussi. Parfait. Après la pause, on va faire des exercices. Excellent. C'est ça? Oui. Avec Claude. Quittez pas. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Toi, entre nous, excusez-moi sur les ondes de TV Rogers, je suis toujours accompagné de Arthur Quenco. Oui. Et je vous ai rejoint. Ouais. Parce que je ne veux pas louper le moment de faire des exercices, moi. On va parler d'exercices, c'est ouais, ça? Des exercices pour le genou, des blessures. On est prêts, je pense. As-tu des blessures au genou? Moi, j'ai une question pour toi, Arthur. Demande-moi. Est-ce que le poids, ça joue aussi sur les genoux? Oui, tu connais la réponse. Oui, mais à quel point, en fait? Parce que comme j'ai dit avant, le genou est une articulation de stabilité. Mmh. Et s'il y a plus de force ou compression okay. sur le genou, mmh. ça va causer plus de problèmes dans le futur.
Alors, oui. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais aussi d'étirer les muscles aussi. Si tu es plus comme regarde, moi, je joue au tennis parce que j'ai fait mes étirements. Okay. Si je ne fais pas mes étirements, j'aurai plus de problèmes au genou. Oui, c'est moi-même. Ça. Tu as dit ça une fois, les étirements, c'est nécessaire souvent quand on veut se lancer dans le sport. La flexibilité, c'est très important. OK, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme. Là, aujourd'hui, c'est des exercices quotidiens. Oui. OK. Ah, on te suit. Ah, OK, parfait, parfait. Alors, comme je disais avant, les genoux sont des articulations de stabilité. D'accord. OK. Alors, j'ai apporté ça pour t'entraîner à faire des exercices de stabilité. Tu veux essayer? Est-ce que je dois retirer mes hauts talons? Oui, mais c'est pas nécessaire. Romain va le faire. Avec des chaussures? Romain va le faire. OK, qu'est-ce que je dois faire? Avec tes chaussures. Okay. Tu vas juste faire comme ça. Tu commences comme ça. OK. Et tu essaies de... Marcher comme ça. Okay, marcher un petit peu. OK, mais moi, je suis pas très... Tu as des gros pieds. Ouais, j'ai des gros pieds. C'est pas si facile, hein? Ouais. C'est ça. OK. Ouais, comme ça. Et tourner. Mais essaie avec les yeux fermés. Ah, là, c'est trop dur. OK, je vais essayer. OK, vas-y. Bon, je vais essayer. Je vais essayer de pas tricher. Oui, vas-y. Ouais, c'est dur. Alors, tu vois que le système visuel joue un rôle très important dans notre vie. OK. Et alors, de faire des exercices qui sont... c'est un peu simple, mais de faire comme avec les yeux fermés, c'est plus bon. Ouais. Je vais pas essayer de me casser quelque chose, là, avec ça, là. Mon Dieu. OK. Mais Romain, je me rends compte que je suis plus stable que toi. Qu'est-ce qui se passe? Elle est plus stable. OK, maintenant, je vais tester le squat de vous deux. Parce que le squat, c'est très important. C'est un mouvement très, très, très important pour tout le monde. Ça commence à devenir beaucoup plus pour les femmes, là. Ouais. Parce qu'il faut qu'on se dise, là, ils font tout du squat maintenant. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre vos mains comme ça. Comme ça. OK. Ouais. Et essayer de faire le squat. Les pieds écartés, c'est ça? Les pieds écartés, oui. OK, vas-y, on descend comme ça? Oui. Oh, tu descends plus bas. OK, d'accord. OK, vas-y. Oh. Aïe. Excellent. J'ai mal aux genoux. Et des choses que je regarde à propos des genoux, c'est qu'est-ce qui arrive? Est-ce que les genoux vont comme ça à l'intérieur, comme ça? Est-ce qu'ils restent tout droit? Est-ce qu'ils vont à l'extérieur? Est-ce que le dos est penché par en avant? Est-ce que tu es tout droit, la bonne posture? Exact. Est-ce que tu sens une douleur? Oui, je sens une douleur. Ouais. Et où exactement est-ce que tu sens la douleur? En dessous de la rotule. En dessus, oui. Et ça me donne de l'information. Est-ce que peut-être tu as des muscles qui sont un peu trop serrés? Et lorsque tu descends comme ça, ça augmente la tension de ces muscles-là. Et là, il faut faire des exercices d'étirement. Okay. Comme mettre le pied en arrière, par exemple, ça, c'est de l'étirement? Comme ça, oui. Mais si par exemple, je dis, OK, assis-toi sur une chaise, OK, et de ça, de te lever, de te mettre debout. Okay. Si tu as un problème, si tu as de faiblesse, là, c'est l'autre. Ce n'est pas la tension, c'est la faiblesse. La faiblesse, d'accord. Okay, là, il faut renforcer les muscles, les mêmes muscles. OK. Alors, est-ce qu'on a un autre exercice? Oh, oui. OK. Alors, le squat, c'était trop facile. Maintenant, on est en une ligne comme ça. OK. Tu fais une lunge comme ça. Tu mets... OK. Comme ça. Non, oubliez-moi, les gars. Oubliez-moi. Comme ça. Et essaie que ton genou touche le talon ici. C'est dur, hein? Ouais. Vas-y. Excellent. Et essaie avec l'autre côté. Hein? Ouais, mais c'est complexe, hein? Attends. OK. Comme ça. Wow. OK. Bon. Et maintenant, essaie avec les yeux fermés. Ooh. Oui, ça, c'est bon. Et avec l'autre côté. On essaie l'autre côté, donc. Oui. Et ça, on travaille la flexibilité. La flexibilité et aussi l'équilibre. C'est bon. Et comment fonctionnent nos muscles avec notre vision aussi. C'est plus dur avec les yeux fermés, hein? Oui. C'est plus dur avec les yeux, forcément. Essaie comme ça, maintenant. La stabilité aussi. J'ai une robe, là, je sais pas. Oui. Essaie. OK. Comme ça, Romain. Et maintenant, avec l'autre côté. OK. Et ça, on doit le garder, par exemple, cet exercice, on le fait pendant combien de minutes, tu penses? Juste pour voir, c'est qu'est-ce qui arrive. Tu vois que vraiment, avec un côté, il est plus stable, mais avec l'autre, il est plus fragile. D'accord. Et lorsque on fait ce test, je regarde qu'est-ce qui arrive au genou, mais aussi qu'est-ce qui arrive à la hanche, qu'est-ce qui arrive... Le bassin, La cheville.
Parce que tout est relié, en fait, comme tu l'as dit. Ouais. OK. Et si je vois que, c'est parce qu'il y a trop de mobilité, c'est pas stable dans la cheville. Mm-hmm. OK, c'est pour ça que tu as ce problème au genou. Alors, c'est pas nécessairement le problème, la source du problème, c'est pas justement le genou, c'est vraiment ça va depuis la cheville. Oui. Aussi, par exemple, quelqu'un me dit, j'ai mal au dos. Okay. Lorsque tu as mal au dos, tu utilises ta hanche, tu utilises ton genou plus pour juste pour compenser ou s'accommoder pour le problème qui vient du dos. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on fait. On fait des tests plus fonctionnels dans la clinique et on essaie de donner des exercices soit d'étirement ou de renforcement ou spécifique. Alors, toi, tu joues au tennis, tu joues au soccer, et tu vois qu'il y a beaucoup des positions et des mouvements avec la torsion et la rotation. Imagine de frapper la balle comme ça. C'est pas la même gestuelle. Il nous reste juste 10 secondes, là. On va inviter tout le monde. On va pas tout leur donner, Arthur. Juste pour souvenir que le mouvement est le nouveau médicament. Le mouvement. Oh, wow, c'est bon. OK. Alors, vous avez entendu, le mouvement, c'est le nouveau médicament. Donc, vous devez faire des exercices à la maison, comme on vous l'a montré ici, chez vous. Restez avec moi, parce que juste après la pause, on va découvrir le plan relatif aux personnes âgées fait par la ville d'Ottawa. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La ville d'Ottawa prend à cœur la situation des aînés ici. Et puis, avec vous, vous êtes gestionnaire de projet à la ville d'Ottawa. On va parler de tous les programmes que vous avez pour les personnes âgées. Déjà, pour commencer, personnes âgées, on parle de quel âge? Bonne question. Nous, à la ville d'Ottawa, on utilise le terme personnes âgées pour les gens qui ont 55 ans et plus. Donc, vraiment qui réfère à un moment dans la vie. Mm-hmm. Alors que lorsqu'on parle de personnes, lorsqu'on parle des aînés, souvent on réfère à 65 ans. 65 ans et plus, Mais vraiment, on essaie d'avoir des programmes qui touchent les gens à partir de 55 ans jusqu'à beaucoup plus vieux, D'accord, OK. Et puis, c'est quoi les programmes que vous avez là-bas? Il y a une multitude de programmes. Puis, une des choses qui lie ces programmes-là ensemble, c'est le plan relatif aux personnes âgées. D'accord. Donc, on sait que les personnes âgées sont un segment croissant de la population. Vous avez vu qu'en 2016, pour la première fois, il y avait plus de personnes âgées de plus de 65 ans que d'enfants de moins de 15 ans dans la population au Canada. Donc, on remarque vraiment un changement démographique. Donc, la plupart des municipalités regardent comment est-ce qu'on peut servir les besoins de ces résidents-là d'une manière plus appropriée. Pour qu'ils soient dans un bon espace, en fait. Voilà, qu'il y ait des programmes, des services qui soient adaptés, qui soient faits. Donc, le plan relatif aux personnes âgées, c'est vraiment depuis 2012 qu'on en implémente. Donc, c'est vraiment de regarder des mesures
concrètes qui facilitent la vie des personnes âgées, leur inclusion sociale, leur santé, leur bien-être, l'accès aux services et aux programmes. Et c'est quelque chose qui s'actualise au fil du temps, parce que depuis 2012 à aujourd'hui, ça a changé. Évidemment. On a eu le premier plan en 2014, un renouveau en 2015. Là, on est en train de développer le nouveau plan 2019-2022. Puis un des aspects vraiment importants de ce plan-là, c'est l'engagement des personnes âgées dans la définition de ce plan-là. Donc, on a fait l'année dernière beaucoup de consultations communautaires. Mm-hmm. Donc, on a parlé avec plus de 1700 personnes sur qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce que la ville peut faire pour... améliorer leur train de vie. Absolument. Et qu'est-ce qui est ressorti de ça? Bien, les priorités sont similaires à ce qu'on entend... entendu en 2011 et en 2014. Donc, ce qui nous dit que les mesures qu'on a implémentées jusqu'à présent, on est dans le bon chemin, mais on a encore du chemin à faire. Donc, on sait que présentement, on a 4 grosses priorités vraiment dans le nouveau plan. Mm-hmm. Donc, on parle de transport et mobilité. Donc, c'est tout ce qui est l'accès au transport en commun. Donc, l'accès physique, aussi l'affordabilité des transports en commun, la sécurité piétonnière, l'accessibilité des espaces publics. Donc, vraiment, tous les éléments qui permettent aux personnes âgées de sortir de chez elles. Oui, oui, voilà. Parce que ces personnes sont souvent, quand elles vont à la retraite, elles sont souvent cloîtrées chez elles, là, parce qu'il n'y a personne qui les visite, ou en tout cas, peu importe. Voilà. Donc, transport et mobilité, c'est définitivement dans le mandat de la ville d'adresser ça. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avoir une influence directe. D'accord. On sait aussi que bien-être, d'une manière générale, c'est une priorité. Donc, on parle de vie active, tout ce qui est programme culturel et récréatif. Vieillir en santé, des programmes de prévention, des programmes de prévention de chute, des programmes sur l'alimentation, sur la santé mentale, tout ce qui est respect et inclusion sociale. Donc, d'engager les résidents en fonction de qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont leurs besoins, leurs particularités. Donc, c'est vraiment un aspect important aussi. Puis, on sait que... Il me manque une catégorie maintenant. Transport, la catégorie, la communication aussi. Communication, merci. Donc ça, on le voit partout. Donc souvent, on a des programmes ou des projets qui sont mis de l'avant, qui sont innovateurs, qui sont bien, mais on n'a pas toujours les bons moyens pour... Communiquer avec tout le monde. Là. Oui, pour faire sortir le mot. Donc, c'est ce qu'on va vraiment travailler sur le prochain plan. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les populations cibles, les gens avec qui on veut travailler, avec qui on veut offrir les services, ont accès à ces informations-là? Comment est-ce qu'on... Okay. Comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est disponible pour nous quand on a un besoin particulier? Et comment vous pensez faire ça? Parce que la communication, je vois ça beaucoup déjà dans les lieux publics. On peut avoir des affiches qui nous disent que c'est nécessaire de laisser la place aux personnes âgées et tout ça. Oui. C'est un bon mot de communication, mais hormis ça... Donc nous, on va vraiment utiliser le courriel. OK, le courriel, ça c'est... Comme une partie. Donc, c'est quelque chose qu'on va pousser pour, okay. Mais ça ne rejoint pas toutes les personnes âgées, les courriels. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un outil. Mais c'est vraiment aussi travailler avec nos partenaires communautaires. Donc, les gens qui travaillent directement avec les populations. Oui, oui. Donc, passer l'information comme ça. S'assurer toujours qu'on a de l'information qui est écrite, de l'information qui est verbale. Donc, d'aller là où les gens sont pour publier ces informations-là. Et puis, les activités que vous offrez, notamment du sexe, je suppose que ce n'est pas pareil. Non, c'est différent. Bien, il y a beaucoup d'activités qui sont offertes. Comme hommes et femmes. Hommes et femmes. Je dirais que la plupart des options sont mixtes. D'accord. Pour les culturels. Puis, donc, c'est ça. Les mesures qu'on offre, les programmes qu'on offre, ça touche à. Ça peut aller, c'est très concret, comme installer des bancs à travers la ville pour que les passagers puissent s'asseoir. C'est ça, ouais. Publier des guides d'information. Changer le temps pour traverser les intersections où il y a beaucoup de voitures. Donc, des fois, si le temps alloué n'est pas assez grand pour les gens, pour traverser la rue, les gens avec une mobilité réduite. Donc, c'est de regarder, de prendre plusieurs mesures concrètes comme ça qui, d'un plan général, vont ultimement là, bénéficier. Et puis, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, si vous ne travaillez pas avec la communauté, bien, vous ne rejoindrez personne. Puis, j'ai vu l'un de vos partenaires avec qui on a souvent des entrevues, le Conseil du vieillissement d'Ottawa, oui. Que vous travaillez avec aussi. Hein? Oui, oui, on travaille en étroite collaboration avec le Conseil du vieillissement d'Ottawa, alors que notre plan d'action est vraiment centré sur ce que la ville peut faire. Nos plans
sont interconnectés. Se rejoignent quelque part. Hein. Voilà. Parce que je fais des séances éducatives, par exemple, sur les chutes. Je pense que ça, c'était en décembre, à cause du temps et tout ça. Voilà. Puis on a aussi un nouveau partenariat avec le Conseil sur le vieillissement et Ottawa Ville Compatissante, okay, avec la Santé publique d'Ottawa, oh, et la Bibliothèque publique d'Ottawa. Donc, c'est un programme qui est né du plan relatif aux personnes âgées, mm-hmm, en 2019, qui vient tout juste de se lancer. Donc, c'est une série d'informations éducatives dans les bibliothèques publiques d'Ottawa, mm-hmm, donc pour les personnes âgées et les personnes aidantes. Donc, on parle de planification, on parle de planification financière, on parle du nouveau guide alimentaire. Mm-hmm. Donc, c'est des choses qui viennent se lancer, puis on va avoir plusieurs séries là, dans les prochains mois. Et puis ça, c'est vraiment dans la section que vous avez sur votre site web qui s'appelle « Bienveillir ensemble ». C'est là qu'il y a toutes ces informations-là. Oui, sur le site de la Bibliothèque publique d'Ottawa. Sur le site web de la Bibliothèque publique d'Ottawa, pas sur le site web de la Ville d'Ottawa. Si vous êtes sur le site de la Ville d'Ottawa, sous « Résidents personnes âgées », vous allez trouver l'information sur le plan relatif aux personnes âgées. Est-ce qu'on pourra en parler après la pause? Oui, absolument. OK. Alors, après la pause, on vous parle du programme « Bienveillir ensemble ». Regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Voici une plaque porte-clés et des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de cœur vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputedeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Cette semaine, Dada m'a dit qu'on va recevoir la visite de Mme Lorraine Janson, qui est une auteure et conteuse du coin. Fait que j'espère que vous allez venir nous voir. Bien que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine, à l'émission Court Circuit, l'artiste Céleste Lévy nous parle de son tout prochain album, déjà en construction, lors de son passage à Contact Ottawa. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Bienveillir ensemble, c'est un programme qui est offert à la Ville d'Ottawa. Puis il y a tellement de séances d'informations qui sont... Je pense qu'à date, il y en a trois ou quatre pour le mois d'avril. Oui, on vient de lancer trois séances pour le mois d'avril. Mmh. Donc la première est sur la planification préalable aux soins. Okay. Donc comment... Souvent, on attend avoir un besoin pressant pour chercher les ressources. Donc c'est vraiment comment planifier ça. On a aussi le 18 avril, une séance sur le nouveau guide alimentaire canadien. Donc, quels sont les impacts sur la santé et comment le comprendre? Puis, on a aussi une séance sur les personnes aidantes. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est très, très important. Oui. Parce que là, ça, c'est le titre, je pense, c'est la résilience par rapport aux personnes aidantes. Oui, voilà. Parce que souvent, c'est des personnes âgées qui prennent soin d'autres personnes âgées. Donc, c'est vraiment un système complexe. Un signe vicieux, là. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, moi, je vais inviter tout le monde à la maison à visiter le www.ottawa.ca. C'est le site web que vous pouvez visiter pour avoir toutes les informations concernant Bienveillir ensemble qui concerne les personnes âgées. Demain, mercredi, à l'émission, on va parler du manque de main-d'œuvre qui se fait sentir dans les métiers de la construction. On va avoir un professeur qui va nous entretenir à ce sujet. Et nous allons aussi avoir Nancy Cadieu, designer floral, qui va vous donner les idées pour décorer vos maisons. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323. Par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Et bien pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus.
Et il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres, et que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.